Bonjour, elle s'attaque à Raymond Devos, pas une mince affaire. Louise Bourdel, 28 ans, comédienne originaire de Moidon-la-Rivière, a écrit et créé un spectacle à partir de 15 sketchs de Raymond Devos. Le titre, De vous à nous. Elle n'a jamais vu l'humoriste sur scène, ni en vidéo, et elle n'a pas l'intention de le faire. Louise veut faire du Louise et se réapproprier les textes du grand Raymond. Quand j'étais en cours de théâtre, à un moment, je voulais travailler un monologue comique. Et alors, pour le coup, avec mon prof de théâtre, on s'est dit, tiens, il y a Raymond Devos. Donc moi, j'avais un livre de Raymond Devos chez moi. Et je suis tombée sur Mon chien, c'est quelqu'un. Et alors, j'ai tout de suite accroché avec son style, son humour, son absurde logique, etc. Je l'ai joué une première fois et j'ai vraiment bien accroché. Et puis, j'ai vu que les retours étaient plutôt bons parce qu'on ne faisait pas trop le rapport avec Raymond Devos que je n'avais pas vu en vidéo. C'était facile de me le réapproprier sans parasitage. Et après, j'ai lu donc tout l'intégrale de ses sketchs et j'ai sélectionné ce qui me parlait le plus pour proposer autre chose et qu'il y ait de moins en moins de comparaisons possibles à faire avec Raymond Devos. La barre était haute et il fallait, je pense, partir sur autre chose. Donc là, on connaît plus l'auteur, finalement, que l'artiste, évidemment, puisque ce n'est pas une imitation. Après, j'étais un peu libre de tout, donc j'ai pris des sketchs peut-être qui ne sont pas trop connus non plus. Et donc, je ne connais pas en fait tout ce qui se passe autour de Raymond Devos en fait. On va parler pour ne rien dire. Oui, mais moi je n'ai rien à dire. Eh bien, vous êtes dans le thème, Roberto, vous êtes dans le thème. Très bien. Oui, je sais que vous dites assez. C'est ils n'ont rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment. Évidemment. Mais ce serait trop facile. Trop facile. Vous voudriez qu'on fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Ah non! Non! Moi, mesdames et messieurs, quand je n'ai rien à dire, eh bien, je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en discute. Hein. On en parle. Je ne suis pas ennemie du colloque. Les personnages se sont appropriés l'histoire des sketchs de Raymond Devos. Donc en fait, ils vont dire des choses complètement absurdes, mais avec une grande sincérité, comme si c'était leur quotidien. Et donc du coup, on se demande toujours si c'est du lard ou du cochon, en fait. Enfin, on se demande finalement si... Enfin, l'absurdité des sketchs est leur réalité, ce qui fait qu'ils sont un peu dans une bulle à part entière. Mais d'un côté, ils sont proches de nous, mais d'un côté, ils sont un peu bizarres. Donc ils sont tous les deux dans leur sphère un peu absurde, poétique, etc. Avec la plus grande sincérité, ça me fait marrer. Je vais vous raconter ça. Et puis aussi, de faire des jeux de mots sans les jouer, en fait. En faisant comme si c'était tout à fait... Enfin, comme si on s'en rendait même pas compte. Louise Bourdel et son spectacle de Vous à nous à découvrir le 10 juin à 20h45 au Petit Théâtre de Pouhancé.